ce projet d'exposition est né grâce à un don. C'est le don des archives du Festival Sigma par la famille de son fondateur, Roger Lafosse, aux archives municipales de la ville de Bordeaux, il y a 2 ans à peu près. À partir du moment où ces archives ont été données, moi j'ai tout de suite souhaité voir si une collaboration pouvait se dérouler entre les archives et le CAPC. Le CAPC étant dans l'entrepôt l'aîné et Sigma étant un des premiers locataires de l'entrepôt l'aîné, il me semblait important de montrer cette histoire-là aussi, ou en tout cas d'être dépositaire de cette histoire-là. À partir de là, les archives ont fait un très long travail de dépouillement qui a duré presque 1 an et demi. Et nous avons pu commencer à travailler l'année dernière sur ce projet d'exposition. Très vite, il nous a semblé que c'était la difficulté majeure d'un tel projet, c'était de raconter une histoire quand l'histoire est terminée, et surtout quand cette histoire artistique est principalement basée sur la rencontre et l'événement. Que dit une photo en noir et blanc d'une pièce très expérimentale de danse, quand on ne voit même pas le mouvement? Ce sont des questions qui nous ont taraudées pendant toute la préparation de cette exposition. Et c'est pourquoi nous avons très rapidement décidé de nous associer à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, parce que nous avons, même si rien n'avait été filmé par les organisateurs de Sigma, heureusement, la télévision a fait son travail de service public dans les années 60, 70 et 80 et pas mal de choses ont été filmées. Seulement, effectivement, c'est souvent des très courts extraits parce que c'était en général pour le journal télévisé, donc on se retrouve avec des choses très très morcelées. Alors, cet assemblage d'images, de texte, d'images en mouvement fait qu'on essaye de donner une idée de l'événement, mais en même temps on s'est bien rendu compte que on risquait de figer aussi les choses et on risquait évidemment de ne pas pouvoir rendre compte de l'implosion que fut ce festival. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il fallait faire une exposition qui soit en plusieurs parties. Et c'est pourquoi nous avons décidé que chaque jour, il fallait présenter une pièce de théâtre en entier, un concert en entier, un film en entier, de manière à ce que les visiteurs puissent avoir vraiment la possibilité d'entrer dans la matière et avoir une idée un peu plus juste de ce qui s'est passé ici. Pour nous, en fait, on sait déjà que par rapport à la mémoire des gens qui ont vécu Sigma, nous serons toujours en deçà de ce qu'ils ont vécu. Tout simplement parce que on ne répète pas l'histoire 2 fois et une histoire qui a été vécue sur le mode intime ne peut pas être restituée sur un mode collectif. Par contre, ce qui nous importe particulièrement, c'est la transmission, c'est raconter cette histoire à une plus jeune génération qui n'a jamais connu Sigma, qui ne sait pas exactement ce que c'est à part ce que leurs parents ont pu leur dire. Et c'est pourquoi, pour nous, vraiment, il est derrière cette idée de transmission, il y a plus largement une question qui est du rôle de l'institution, et particulièrement de l'institution dédiée à la création artistique. Comment on fait pour raconter, et pour un musée d'art comme le CAPC, comment on fait pour raconter une histoire quand on n'a plus que des traces et on n'a plus d'objets et plus de protagonistes? Voilà. Donc c'est un peu tout le propos de cette exposition et j'espère que on a pu, je ne sais pas si on y répond de manière adéquate, mais en tout cas on a pu pointer du doigt les problématiques et donner quelques éléments de réponse.